Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Pharaoh Dynasties. On se retrouve pour continuer notre petite campagne, quelques trucs qui ont changé. J'ai recruté en tant que général notre fils, puisque comme il est descendant, il n'a aucun coup d'entretien. Donc je me suis dit, en fait, tant qu'à faire, autant le recruter qu'il commence à engranger de l'XP avec nos différents bonus passifs. Il n'en sera que plus costaud quand on voudra s'en servir. Il nous coûte juste 8 de coûts d'administration, ça, c'est comme ça. Mais il nous coûte absolument rien d'autre en termes de coûts d'entretien, donc c'est plutôt cool. Je l'ai équipé un peu avec ce qu'on avait. J'ai cherché un petit peu qui pourraient être nos adversaires, nos prochains adversaires. On a plusieurs choix, on peut continuer de progresser par là. Ces deux factions-là sont en guerre et se tapent dessus. Et il y a de la pierre, du bronze à aller chercher, donc ça pourrait être pas mal. On pourrait éventuellement lancer les hostilités contre la faction majeure, là. Techniquement, elle est encore beaucoup trop forte. Enfin, elle a un très très gros déséquilibre en guerre contre personne, donc il faudrait qu'on se place avant. Ici, on a une petite colonie en ruine, avec du bronze. Donc je pense que je vais envoyer probablement notre ami ici le chercher, si on peut. Si jamais personne ne la reprend, ça pourrait être pas mal d'avoir une petite colonie dans le coin avec un petit bonus de bronze. Sachant que la province ici est hyper fractionnée. Hein. Il y a trois factions différentes qui se partagent ici et qui globalement sont en guerre les unes contre les autres, mais ça progresse pas plus que ça. Et nous, de notre côté, on a un accord de non-agression avec lui. Et les autres, juste on commerce plus ou moins. Enfin, celui-là, on commerce même pas du tout, donc on pourra éventuellement aller taper dessus, pourquoi pas. Histoire d'avoir deux provinces dans la région. Mais le reste, on a des accords qui sont quand même pas inintéressants, donc pour le moment, c'est pas forcément une priorité. Sachant que il y a moyen, à un moment, qu'on arrive peut-être à vassaliser des gens. Hein. On est quand même sur, là, la Syrie, par exemple, qui a pris bien cher. Qui a moins 13. S'ils se prennent une ou deux fessées militairement, ça pourrait basculer. Ça pourrait être intéressant hein, de vassaliser tout ce tampon-là. Là. Honnêtement, ce serait une option pas forcément dégueulasse. Il y a aussi lui, là, qui est notre ami. Qui est un des seuls avec lequel on a un accord de passage et tout. Qui a quand même des ressources assez sympas. Ça pourrait être pas mal de le vassaliser et à terme d'aller chercher une confédération probablement. Même si pour le moment, il veut pas trop. Pour le moment, il veut pas trop. Mais ça pourrait le faire, peut-être si on arrive à avoir une fille à marier ou ce genre de choses. Donc il y a des opportunités par là. Après, il est possible que quelqu'un nous déclare la guerre. Hein, dans l'épisode alternatif que j'avais tourné, où j'ai repris à partir d'ici, quelqu'un nous avait déclaré la guerre. Donc on verra si ça arrive aussi là. Mais pour le moment, c'est plutôt calme, donc je pense que notre objectif premier va être d'aller chercher ça. Préparer ici une province de recrutement assez solide, le temps d'amener Haddad et renforcer un petit peu son armée. Remplacer les Pécores, éventuellement les Minis, par des trucs un petit peu plus costauds. Lui, c'est pareil, on va lui prendre... On va lui prendre 2-3 troupes. Alors pour l'instant, il est en marche forcée, mais on va lui prendre 2-3 troupes en allant chercher ça, je pense. En allant vers le fleuve, là. Il y a un truc aussi assez rigolo que j'ai découvert, hein, c'est que ces trucs-là, là, qui ont 30% de chance de générer des troupes, en fait, à chaque tour, elles peuvent générer des troupes. Et les troupes, donc, rejoignent le combat s'il y a un combat dans la province. Et en plus, on peut aller les prendre si on veut. Si on interagit avec, on est tout à fait capable d'aller récupérer, alors pas le général, mais les troupes qui apparaissent, là, on pourra les récupérer, par exemple, les guerriers élamites ou les combattants à la massue. Et ça fait des unités un petit peu diverses et variées, hein. Genre ça c'est de la horde par exemple. Pillard horde, mais avec quand même des trucs assez sympas, hein. Ils peuvent se cacher, ils sont brise armure, bon c'est du méga léger. Hein. Et en fait toutes ces troupes là ont figure guerrière des réfugiés pour dire qu'ils viennent des trucs de réfugiés, mais a priori ça donne ni malus ni bonus. Et on peut avoir des trucs sympas, hein. Les guerriers élamites là, alors c'est du tier 2, mais ils ont une belle hache, ils ont la charge furieuse qui est quand même pas dégueulasse. Donc ça peut permettre de monter assez vite des armées en prenant un mec et en allant interagir avec. Après, il faut du temps, hein. 30% par tour, ça peut être assez long, mais c'est pas inintéressant, franchement, comme gameplay. Je trouve, en tout cas.
Tac tac, du coup on a globalement fait ce qu'on voulait pour le tour, on a fait notre petit tour de diplomatie. Ah si, on peut faire maintenant, on peut prendre des pouvoirs de la couronne vu qu'on a dépassé 165 et ouh, j'avais pas vu ici, on a quelqu'un qui pourrait nous déclarer une guerre civile s'il voulait. Atoura, c'est le mec qui tape sur la Syrie. Il a 122 de légitimité, ça vient d'où cette légitimité hein? C'est ouf ça, c'est pas un roi en plus lui, je crois pas. Hein. This court is a sanctum of wisdom and reason. C'est pas un roi. Donc il est juste hyper vénère. Et bah du coup, raison de plus pour prendre les pouvoirs royaux. Alors qu'est-ce qu'on a? La corvée. Permet la construction de toutes les colonies d'une province, attaque directement le niveau 2. Définit le temps de construction du prochain bâtiment à 1. Il faut le pouvoir utiliser. La construction d'un bâtiment réparera tous les bâtiments endommagés de la province. Ok. Donc ça veut dire que si on est dans une province, par exemple, comme ça, mineure, peut-être plutôt des provinces qu'on pourrait capturer et piller, genre ici, par exemple, on peut monter toutes les provinces, tous les bâtiments au niveau 2. Ouais, pourquoi pas. Quoi d'autre? Soudoyer une armée ennemie pour la forcer à se dissoudre. Il faut payer de l'or. Ouais, logique. Bon, ça, à mon avis, ça va être compliqué à utiliser. Inspirer les troupes, je pense qu'on va le prendre, hein. Ça reste le must-have, hein, pour pouvoir booster les capacités de combat et la reconstitution d'une armée. On obtient un point de compétence à chaque fois que le temps de repos est écoulé pour améliorer n'importe quel personnage. Ah, en dehors des niveaux qu'ils prennent. Ça c'est cool, 12 tours. J'imagine que ça doit augmenter après. 2 points de compétence tous les 10 tours, et là... 4 points de compétence tous les 6 tours. Ah ouais, ça peut nous permettre d'avoir des généraux qui sont vraiment très très efficaces. Et soulever la populace, la région étrangère voisine perd 10 de bonheur par tour pendant une durée limite de 6 tours. Ouais. Ça pour déclencher des rébellions éventuellement chez un adversaire, mais... Ça peut permettre de foutre la merde chez quelqu'un chez qui on n'est pas en guerre. Ouais. Ouais, je pense qu'on va tester ces deux-là, là. Inspirer les troupes et compétences. Et donc du coup, compétences, on a un point de compétence qu'on peut mettre à n'importe qui. Ok, elle est là. Excellent, c'est vachement bien. Donc genre on peut booster là et du coup ça passe en dehors de notre niveau quoi. Ah et du coup j'avais pas fait gaffe mais on peut peut-être virer ce truc de merde d'embuscade là. Et on peut prendre influence plus 6 ou déplacement en échange de reconstitution. Alors oui du coup à date je lui ai mis une armure de soignant qu'on a drop en éliminant Ur. Donc il pourra se soigner sur le champ de bataille en échange d'un petit peu de défense en mêlée en moins. Bah on va prendre ça, allez hop. Un petit bonus d'influence dans les endroits où on en a pas, bon il n'y en a pas trop dans le coin mais... Ça pourra venir. On a notre petit truc ici, très bien. Et du coup, dans notre dynastie maintenant, on peut voir que on a établi notre domaine sur Cardunia Chuatu, on a conquis la dernière région d'une province, et on est le fléau de Ur. Parce qu'on a vaincu 3 armées de Ur, et du coup ça nous booste en belligérance. Et notre dynastie pour le moment est donc de type guerrière et on a 2 bonus de recrutement pour toutes les unités dans la faction. Ce qui est hyper fort, hein. Clairement. Ça veut dire que genre si on recrute ici, nos troupes sont rang 5 avec notre bonus là. Non, du coup c'est le bonus de base. Ok, rang 1. Oui parce qu'on n'a pas encore de faveur. Mais elle pourrait être rang 5 à terme. Ouais, donc c'est plutôt pas mal quand même. Bah c'est parti, on va passer le tour. On va passer le tour, on va voir un petit peu comment ça se décante. Alors je me bois mon petit café frappé en même temps, hein. Excusez-moi. Un petit peu chaud. Ah, une faction qu'on connaît pas. Alors est-ce que Uthar ou Atar là, on la connaît même pas encore la faction. Est-ce qu'elle peut nous déclarer la guerre même si on la connaît pas? Ça c'est la question. Gacham, il continue de faire sa vie dans le fleuve. Pourquoi pas. Alors, Atura est passé, je l'ai pas vu devenir rouge. Donc lui, il est en guerre de ce côté-là.
Convoi s'il accepterait pas d'être vassalisé si on rejoint sa guerre, peut-être. Ça pourrait peut-être être une opportunité, ça aussi. Un enfant aîné, un garçon, excellent. Et prime à une action à la cour, non. Non. Et du coup, une ambition. Alors, repousser la faim. Construisez un bâtiment de ressources produisant de la nourriture. 8 Kudurus, c'est pas mal, hein. Construisez un monument. Alors, est-ce que c'est un monument... Monument... C'est l'obélisque. Donc, le monument, ça doit être, c'est le truc qui donne la légitimité. Ça peut être pas mal. Coût de construction, moins 15 dans toutes les régions pendant 20 tours. Pas mal, hein. Et là, hors 20% dans toutes les mines et les bâtiments, on en a pas trop. Et bah, de toute façon, ouais, on sait que ça, on peut pas le faire. Et on va prendre ça, je pense, hein. C'est pas mal, hein. 8 Kudurus, c'est le bonus de construction. Et on est d'accord... Alors pas de bol, je vous dis la seule province on peut pas le faire. Il y a le monument glorieux. Un grand temple d'Ishtar qu'on pourrait faire ici. Bon, on vénère pas Ishtar. Mais si on prend un avant-poste à la con, plutôt toi. Un monument, ouais, bah écoute, go. Alors on va plutôt le faire là-bas. Je pense, dans le coin là. Ici par exemple. Alors déjà le fort là, j'ai pas pensé mais... On va le virer. Je préfère encore faire des... ouais, on va le faire là. Je préfère encore faire des... Comment ça s'appelle? Des trucs de réfugiés, là. C'est plus sympa. Alors là, il y a déjà un truc. Il y a un point de passage ici. Ok, donc le dernier endroit, c'est là. Et ici, le dernier endroit, c'est là. Et vu qu'il y a un point de passage ici, ouais, bon, on va le faire là, ouais, carrément. Allez, un petit monument, 4 tours, c'est parti. Donc ici, on a passé notre loi. Vitesse et attaque en mêlée de 6 pour les lanciers. Et je pense qu'on va cramer quelques coups de rousse pour monter de niveau. Mine de rien, ça coûte que 1. On pourra améliorer le dégât des projectiles. C'est là. On va passer, allez, rang 6, allons-y. Reconstitution, bonus de charge, dégâts des projectiles. Et ici, on aurait moyen de faire une loi qui booste la pierre, le coût de recrutement, le bonheur. On va améliorer un peu le rang. Ici, on a diminué le coût de construction. Alors, créons une loi de type militaire. Tiens, voyons voir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, défense en mêlée. Ok, on peut faire dégâts des projectiles pour les frondeurs, par exemple. 6%, c'est pas mal. Et de la munition pour les frondeurs. 6% aussi, pardon, je l'ai pas bien mis, c'est là, hop. 6% pour les frondeurs, ça coûte 120 de bronze et 6 tours. La reconstitution, bof, de la vitesse, pourquoi pas, pour les frondeurs aussi, 6% de vitesse, on passe à 180 et 9 tours. On booste nos frondeurs, sachant que nos unités spéciales, c'est de type frondeur. Allez, c'est parti, on va inscrire la loi. On va inscrire la loi. En plus, ça va nous permettre de papoter. Alors, les divinités. Ici, on a... Ah, ici, on peut dévouer un général. Ça fait quoi, déjà? Général dévoué, de la vitesse de bataille et du butin de bataille. Ah, ben, on va dévouer... On va dévouer notre ami... Bah, alors... Alors, pas notre fils, je pense pas. On va dévouer Naboo Salim. Your worship has been chosen. C'est parti. C'est parti. Et donc ici, on peut recruter alors, un par tour, malheureusement. Ici, la seule garnison qu'on a, c'est notre général. Alors, la question, c'est toi. Tu es en guerre contre le mec qui est tout là-bas. Ok, pourquoi pas. Et toi... Toi, t'es qui, toi? T'as deux provinces, t'es censé être très fort. Et on a des accords avec toi. Alors lui, on a des accords, et il nous donne 20 blé en plus. Pas cool. Pas cool de casser avec lui, mais bon, à la rigueur... Mais il a l'air d'être dans le mal, donc c'est pas dit que ça soit très très valeureux
Tiens, mec, je te vassalise et puis je rejoins ta guerre contre lui. Ouais, non, ça... Ça n'a zéro valeur. Il considère qu'il est en train de l'écraser. Est-ce que je peux le vassaliser et l'adopter? Ah oui, non, du coup, si je le vassalise, ça ne sert à rien. Ok, pour le moment, non. Et alors, du coup, l'autre opportunité, c'est lui, éventuellement. Il est peut-être un petit peu plus dans le mal. Si on joint, mettons là, on est à 7-7 et vassalisé, on est à 19. Ouais, donc ça reste... Il faut qu'on augmente notre force pour pouvoir prétendre à vassaliser des gens. Ok. Ok, ok. Donc ça veut dire que toi, du coup, tu vas te mettre en marche par là-bas. Le plus rapide, du coup, c'est par là. Vas-y, marche. Et après, on fera une petite pause pour te recruter une unité. Voilà, parce que pourquoi pas. Toc. Alors, du coup, plutôt un citoyen, conscrit Siraku, un archer Siraku, un conscrit Siraku. Ça va aider avec les Siulu et on pourra lui mettre quelques lanciers en armure là, ou des épéistes, pourquoi pas, pour avoir la ligne de front. Ça, ça coûte du bronze. Hein. Ok, très bien, ça c'est pas mal. C'est vrai qu'avec le truc de Babylone est très bien, mais l'emplacement de recrutement moins 1 est pique quand même. Hein. Alors toi, faut que tu te reformes un peu. On va fusionner un peu pour qu'on ait plus de deux troupes comme ça. Ça suffit largement. Et il va falloir qu'on aille recruter nous aussi quelques mecs de type caserne du citoyen là. Ce serait bien ici de pouvoir faire une caserne du citoyen. Pourquoi je peux pas? Il faut 620 de pierre. J'ai le temps de faire ça. Hein. C'est 10 tours, ouais. Non, on va prioriser le recrutement ici. Pourquoi je peux pas? Ah, il faut être au niveau 3. Putain, ok. Du coup, on va faire le monument. Tant pis. Ah, tant pis. C'est bien, hein. Mais on va voir si c'est n'importe quel monument. Si c'est, s'il faut que ça soit vraiment un grand monument glorieux, si c'est un grand monument glorieux, ça va pas être la même. Donc là, on garde notre emplacement. Bah, du coup, on peut booster ça. Vas-y, on va aller chercher les frondeurs. Avec notre pierre, pour la peine. Qu'est-ce qu'on a eu? Une loi militaire, un enfant... On a des accords d'échange qui ont expiré, il faut qu'on aille voir. Construire plein de trucs, donner des ordres... Et dévotion pour Ninurta. Ok, très bien. Alors, pas lui en l'occurrence, mais je suis pas gouré. Hein. High as the gods. T'es dévoué. Comment je fais pour savoir à qui t'es dévoué? Marduk, ouais. Donc, c'est bon. Je me suis pas gouré. Les accords d'échange. Voyons voir. Échange expiré avec l'Assyrie qui nous donnait de la pierre. Et échange expiré avec lui qui nous donnait du bronze. Are you ready to hear the latest news? Ça nous donnait un peu plus de bronze. 32, 30, ok. 29 alors, c'est bon. J'enlève peut-être genre un de bouffe. Voilà, allez, hop. Ça me va bien. Et du coup, c'était avec la Syrie. On va continuer. Ça, c'est les deux qui je pense, peuvent être intéressants pour nous. Oh, attends, on peut rajouter une petite vassalisation dans la balance, là. Et en échange, tu nous donnes un petit peu plus de pierres. Alors, je vais garder un peu de bouffe pour nos recrutements et juste compléter avec du bois. Voilà, 10 de bois. Ok, on va saluer celui-là. Et on découvre Ashur et l'autre divinité. Et ça, c'est quoi? Héritage forcé. Proposer à un personnage de quitter votre faction pour le descendant d'une autre. Quand celui-ci deviendra le chef de faction, vous recevrez des bonus diplomatiques. Car il sera alors un parent de votre chef de faction. Ah, je peux proposer... D'accord, je peux dire, lui devient descendant de celui-là, et donc si celui-là meurt, c'est mon général qui devient le descendant, et du coup... J'ai des bonus.
Intéressant, c'est pas mal. Alors pour le moment notre dynastie est un peu petite, mais ça promet des trucs sympathiques en vrai. Ça promet carrément des trucs sympathiques à faire. Alors lui d'ailleurs, Écurmain. J'ai pas regardé, mais c'est qui Écurmain? Bag of gold or bronze blade. C'est celui qui est juste au-dessus de la Syrie, ok. Why do you seek my counsel? Tu nous aimes ou tu nous aimes pas, toi? On pourrait éventuellement faire des échanges avec toi. Mine de rien, t'es quand même notre fils spirituel, quelque part. Accord d'échange, genre tu nous donnerais un peu de bronze. 20 de bronze, et on te donne quoi, de la bouffe? Allez, 70 de bouffe contre 20 de bronze, juste histoire de commencer à bien s'entendre. Our deal is concluded. Allons-y. Plus, ça fait un tampon vers le nord, c'est pas plus mal. Donc du coup, la Syrie. Qu'est-ce que ça représente, la Syrie? Oula, ici, il était en train de faire défoncer. Okay. I am destined to rule. Garde du corps à archer, maître cavalier. Un cavalier avec képèche et bouclier, pas mal. Des escarmoucheurs, des chargeurs. Ça, c'est pas toi. Qu'est-ce que t'avais? Et t'étais considéré comme Shall fort. We go fishing ah, again? Non, il a dû se faire... Il a dû se faire défoncer. Et ça, c'est le chef de faction. We must stand together. Si je regarde dans la cour, I welcome ouais, all ça, to my chef de faction. As long as they show decorum. C'est le chef de faction. I am destined to rule. T'as quoi? T'as de la pierre, de la bouffe, du bronze. Et ça, ça a été rasé. Alors du coup, là, lui, à mon avis, il va pas aimer. Hein. Il peut toujours nous déclarer une guerre. Il peut toujours nous déclarer une guerre. À mon avis, ça va nous tomber dessus. Hein. La guerre civile, là, elle nous pend au nez. Donc je pense qu'il va être temps qu'on se mette en marche. On va prendre la mer, là. Hop. Toi. Navigate by the stars. Et on va aller débarquer tout là-bas. Fair wind today. Ouais, on va faire ça. On va aller se poser par là, là. Pour être prêt éventuellement à marcher vers le nord. Set for land. Voilà, comme ça on a vraiment le gros bonus de reconstitution. Et on est bien. Du coup, est-ce qu'on se dirait pas, là, on peut recruter un peu des troupes. On va recruter deux épéistes pour lui. Pour de commencer à capitaliser un peu. Ici, on a un truc nouveau sur les divinités. Ah oui, parce qu'on a découvert, du coup, les... On a découvert Ashur. Et Ishtar. Regardez, là, c'est mieux... Coup de construction, prière, accumulation de fatigue, chance d'avoir un enfant à XP pour le général, ok, pas mal. Général dévoué, vitesse pour le garde du corps, ouais, morale dans l'aura plus 15, par contre c'est pas dégueulasse. Du coup ça va avec la vitesse pour le garde du corps, il va plus vite pour essayer de soutenir les unités qui sont en train de craquer. Le bonus d'embuscade est pas ouf, par contre la défense en mêlée est pas mal. Lui, ouais, le temps de résistance sociale, globalement il est pas ouf lui. Lui est pas mal, franchement. Et lui, c'est celui qui faisait de l'entretien en moins, ok. Ouais, mais je pense que Ishtar sera probablement notre prochaine, hein. Croissance de main-d'œuvre, chance d'avoir un enfant, du moral et de la fatigue en moins. Ouais, elle est pas mal, elle est pas mal. J'acquiesce. J'acquiesce, j'acquiesce. Bon, c'est pas tout de suite. Alors, on a craqué toute la pierre... On a, ah oui, on a une attraction de cours. Alors du coup, il y a lui qui nous fait un chantage. Est-ce qu'on peut faire des trucs sur les complots? Détruisez le complot pour 400 balles. Ah ouais, ça pique.
On va plutôt faire une rumeur sur lui. D'autant plus qu'on peut faire une invective royale pour 1, c'est quand même bon. Hein. Ok, lui il essaie de nous discréditer. Anyway. Ce qui est quand même, lui ça a zéro de chance d'échouer. Donc éventuellement on pourrait éventuellement annuler ce chantage. Sachant que du coup, si on fait une invective, ça le force à lancer un nouveau complot aléatoire. Donc ça peut très bien être de nouveau un chantage. Mais contre nous cette fois, pas contre notre fils, contre nous. Donc ça peut être pas inintéressant. Ah lui nous aime pas, donc on a eu que 15 d'estime, tiens, avec notre humeur. Ouais, il est pas hyper fan de notre... de notre position, alors que par contre, peut-être que lui, les rumeurs, c'est 30 d'estime. Ok, excellent. Lui, on va essayer de le convertir, bien sûr, le bouffer tout amicalement, n'est-ce pas? Les échanges expirés, c'est fait. Et ben, je pense qu'on va passer le tour, hein. On va voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on nous propose de beau? Alors, la Syrie se fait attaquer par ces gens. Bah oui, bien sûr, on rejoint, ouais. Ah, c'est pas eux, tiens. Je pensais que ce serait eux. Alors, c'est qui? Ceux-là? Ça ressemblait à eux. Ah, il va falloir qu'on fasse le point. Toi, tu veux un pack dans l'agression? Certainement pas. En 5 factions. On va bientôt passer en dessous de la centaine. Alors lui, il ne déclare pas de guerre, très bien. Okay, pour le moment, il aura décidé de rentrer chez lui. Bah écoute, vas-y. Atura, qu'est-ce qu'il fait? Il repart. Intéressant. Il se replie pour le moment. Utu, qui sont les deux factions en bas, là, qui se tapent dessus. Alors là, on n'est pas sur une armée de Pécor. Hein. C'est que du tier 2, mais... c'est déjà un peu plus sérieux. Hein. L'autre en face a toujours que des Pécor, il est mal barré. Et d'ailleurs, je crois qu'il est... Ah non, je ne sais pas faire prendre sa vie, c'est toujours lui. Là, par contre, il y a au moins quelques Pécor. Ah, mais il a quand même un peu de cavalerie. Il n'est pas totalement... Et Nirbu... Alors Nirbu, c'est qui? Alors est-ce que c'était pas une... Est-ce que ce serait pas un peuple de la mer? Non, pas du tout. C'est une fonction, là. Ah, c'est une fonction. C'est une faction... qui est au-delà encore de Atura. Ah ouais, putain, elle est relou. Ils devaient être en guerre contre la Syrie et ils ont pas aimé le... Ils ont pas aimé le fait que... On rentre dessus. The future belongs to Mais globalement, ils nous aiment pas trop. Hein. Moyen que ça. Ça pète avec plusieurs factions dans pas longtemps de ce côté-là. Atura nous aime pas si mal. Everybody has... Ces deux-là, c'est pareil, les Elamites. Là. Les Elamites, à mon avis, vont être problématiques à un moment. Mais bon, du coup, on a des gens à taper là. C'est hyper loin. On va voir s'ils décident d'y aller. On va monter avec nos armées. Hein. Tant qu'à faire, on va envoyer peut-être juste Haddad. Let us fish. Alors, est-ce que je chope ici un petit guerrier élamite? J'aimerais bien avoir des mecs comme ça là, mais. Au moins 2 conscrits. 54 de morale, et là... Ça dit quoi? 41 de morale, avec un malus en plus.
Ah, c'est pas tout de suite, hein. Si j'attends, c'est pas tout de suite. Faudrait que je retourne limite à Babylone, en fait, pour ce recrutement-là. I am destined to rule. Ici, c'est toujours en ruine. Allez, go. Watch the horizon. On y va. Marche forcée. Alors, on pourrait débarquer par là, du coup. Vas-y. Wake me upon arrival. Navigue, mon petit, navigue. Profiter pour voir un peu comment ça se passe la guerre là. Voilà, parfait. Et du coup. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un Siraku, ça c'est du Siloulou, ça c'est du Siloulou aussi, tout ça aussi, ça c'est un Siraku, mais bon c'est un tireur. Je vais le mettre avec ces frondeurs là pour leur donner le bonus. Il a même pas contre-maître, tiens. La loyauté à la couronne. On ignore une partie de l'armure, défense de flanc. C'est pas un contre-maître lui. En même temps, il est pas techniquement du. Il est pas babylonien, il a pas non plus le guerrier urbain. Eux, c'est des contre-maîtres. Lui, il a rien à foutre là. Et les pécores non plus. Ouais, donc on a 4 contre-maîtres, dont des tireurs. Le seul contre-maître qu'on a au contact, c'est lui. Donc c'est pas facile de le mettre dans la ligne. As king of the universe, enfin si, il y a notre seigneur aussi qui doit l'être, non? Même pas, tiens. Il n'y a même pas contre-maître, Haddad. Ouais, c'est gênant. C'est gênant. Prince of Ur and protector of Nippur. Ça m'embête. Bon. On va commencer à marcher vers là-bas. I seek a blessing from the gods. Make way there. Et on peut recruter. Caution is a virtue enabling survival. Deux épées supplémentaires pour faire la ligne. Gather the troops. Allons-y. Ça va pas être une armée de fous, mais au moins on n'est pas des pécores. À la cour, qu'est-ce qui se passe? Un nouveau complot, et cette fois directement contre nous. Et c'est de nouveau lui, là. C'est-à-dire que là, du coup, pour le coup, l'invective royale qui fait échouer tous les complots instantanément serait intéressant, là. On va le faire. Let's go to the temple of Ishtar again, Babylonian. Donc du coup, ça a lancé un chantage et un discrédit, on a regagné notre point. Détournement, ah il avait un truc aussi contre lui là, attends la vache il avait la fête. Donc ça a échoué, le chantage a échoué. Et il y a lui également qui a des complots visiblement contre nous, bah dis donc, ils sont vénères les mecs hein. On va faire une rumeur. Alors, ça nous a pas dévoilé le complot, tiens. C'est juste tenté. Bon, je suis pas trop inquiet, les complots contre nous quand même ont des chances assez mauvaises. Là, il est déjà niveau 4 et avec 37%. Ok, ça c'est pas mal. Au niveau décret, ça avance tranquillement. On a un accord d'échange qui a expiré avec Gasham en plus. On trouve du bronze. Hein. Et toujours en dèche de bois, on passe à 40. On va relancer avec eux. Ça sécurise un petit peu le nord. Ah, et la Syrie nous a offert un petit peu d'or. Ah bah écoutez, parfait. On a rencontré les Nirbu, ils nous ont déclaré la guerre directe, hein, parce que pourquoi pas. Oui, on a détruit un avant-poste de type fort ici, excellent, oui on a plein de ressources. Et j'aimerais les garder pour ici, mais malheureusement je ne peux rien faire de plus pour le moment.
pour aller chercher un petit temple de Marduk bonus, ou alors le bonus de déplacement, tiens, allez, c'est parti. Et le temple. On va s'améliorer ici pour être prêt quand on aura terminé ce bâtiment. C'est pas mal. Toi, notre fils, pour le moment, tu restes dans le coin. Je pense que tu vas même, alors, prendre la mer, prendre le fleuve et aller là-bas. Comme ça, si tu recrutes, au moins, tu auras les bonus de niveau. Là, du coup, ouais, maintenant, c'est deux de rang de recrutement ici. D'ailleurs, toi... Ouais, non, maintenant que t'es là, j'aurais peut-être pu t'envoyer là-bas aussi, mais... Du coup, on pourrait faire un autre temple. Alors, à Surmarty, on a un temple de Marduk. Ça coûterait 75 balles de le convertir en hôtel de Ninurta, donc c'est moins cher de le détruire et de le refaire. J'ai mis ce clic là. Avant-poste, c'est bon. On va le détruire, on va le refaire. Je pense qu'on a un peu d'avance, on va vérifier quand même. 865 sur 800, et ça fait combien le temple là? 50. Ouais, on a un peu d'avance, mais pas tant. Pas tant que ça. On fasse gaffe. Mais ouais, on va faire ici du recrutement. De toute façon, ça s'est acté. Clairement, presque envie de dropper ce truc, mais ça serait pour mettre quoi, non? Ça serait pour mettre des autochtones, ça sert à rien. Ça sert à rien. L'ordre public ici est bien. Je vais juste vérifier l'ordre public là, qui est excellent, parfait. Et on va arrêter l'épisode ici, du coup. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.